Pouvez-vous dire votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Pouvez-vous dire le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 par seconde restantes? Vous avez 15 minutes pour la présentation. 10 dernières secondes avec mes voix et la chute en 4 et 2 minutes de présentation. 30 secondes restantes. Une période de questions d'une durée de 5 minutes prenez 10 dernières secondes avec mes doigts et la chute en 4 et 2 minutes de la présentation. Si vous êtes en train de répondre à la question, veuillez brièvement 5 minutes chronométrie suivra. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement contre les observateurs, le silence sera vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep afin de disqualification à média. Vous devrez attendre à tous les observateurs, le silence sera demandé. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Si vous désirez entrer sur le site d'attendre la fin de la période des questions durant la présentation, vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente vos téléphones. Aucune entrée ni sur le site maintenant les juges à se présenter permis durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Oui. J'invite maintenant les juges à se présenter et vous pourrez commencer la présentation après. Oui. Oui. Moi, je suis Catherine de la fiscalité et moralité. Je suis directrice en. Et deuxièmement, il s'est répondu vraiment à la confirmation. On ne peut pas écrire
parce que premièrement, on n'avait pas le montant. Et deuxièmement, ici, il aurait fallu vraiment la confirmation. On n'a pas le temps de vous aller vite, pour capitaliser un achat. Il aurait fallu prouver que vous aviez une plus-value, donc que ça avait été rentable, que vous aviez diminué en charge de capitaliser un achat. Il aurait fallu prouver que vous aviez une plus-value, que vous aviez la charge de ça avec le mais si c'était rentable, vous auriez diminué vos charges d'électricité, de chauffage. Oui, donc ici, on a vendu les 4 ou 2. Donc on a fait l'écriture de la vente. Donc ici, l'amortissement. Donc, pour l'évaluation de la valeur d'entreprise,
Vous avez demandé trois méthodes pour la calculer. Donc voici la situation corporelle, qui est la jeune valeur marchande des actifs. Qui revient à 2 910 000 tonnes sur la calculée. Donc voici l'actif corporel, qui est la jeune valeur marchande des actifs. Il est passé total à 1 710 000. Donc quand on les enlève, quand on les ça donne un montant de 1 609 000 $. Donc, quand on les enlève, sont dans la méthode des actifs corporels. Ça donne un montant de 1 609 000 $. Au marché, donc en fait, c'est le 3.5 sont dans la méthode des actifs corporels. Donc, quand on connaît le BAIA, ils ont calculé dans la diapo. Donc, en fait, c'est le 3.5 qui donne un montant de 1 364 000 $. Donc, quand on connaît le BAIA, on voit vraiment que ça donne une moyenne de 1 320 000 $. Donc, c'est un bon moment de nappe d'achat. Ça donne les deux méthodes de 1 320 000 $. Et aussi, c'est un prix comparant à la nappe d'achat. Selon les deux méthodes de. Ils veulent au moins que vous achetez l'entreprise à 90% du prix des concurrents. Donc, quand on fait 90% du. De loin, que vous achetez l'entreprise à 90%, ça revient à 1 250 000 $. Du prix des concurrents. Donc, quand on fait 90% du 2,5 millions, on fait rapport aux aides, ça donc, maintenant, on vous a fait une actualisation des flux monétaires. Donc, on a regardé votre investissement avec l'achat d'entreprise de vos parents. Comme je vous ai expliqué à la diapositive précédente, mais bien sûr, dès qu'on achète une entreprise,
Ouais. Donc, bien sûr, c'est l'année d'avant avec l'achat de l'entreprise familiale. Oui, donc, aller chercher les dimensions, comme on s'en va expliquer, on sait que c'est une belle technologie, peut-être qu'on peut aller avoir des subventions. Donc, aller chercher les dimensions, comme on s'en va expliquer, on sait que c'est des belles technologies. On est vraiment à la clé du sujet. Donc, un petit contrat d'actionnaire, on sait qu'il y avait eu quelques conflits, donc ça sert peut-être l'idéal. On est vraiment à la clé, c'est faire une vérification. Un petit contrat d'actionnaire, on sait qu'il y avait eu. Mais lorsqu'on achète une entreprise, c'est peut-être impartial. Il faut faire une vérification, une vérification pour être sûr certain de que ce soit un projet d'entreprise. Donc, comme j'ai expliqué, faire une nouvelle technologie, c'est vraiment idéal pour réduire le salariat et augmenter le rendement. Donc, comme j'ai expliqué, garder les anciens projets, c'est vraiment idéal. On sait que vos parents ont changé le salariat et garder le rendement pour garder les anciens projets. On sait que vous pouvez garder ça pendant 5 ans, peut-être qu'on peut les garder très longtemps, leur salaire, leur personne à la retraite. On sait que vous pouvez garder ça pendant 5 ans, mais peut-être qu'on peut les garder un peu plus longtemps, leur donner un peu de salaire, peut-être qu'ils sont à la retraite. Non, comme on l'a dit, c'est pas nécessairement pour aller voir avec une entreprise, parce que c'est tout simplement quand même aux parents, on sait que c'est difficile de négocier avec la retraite. Donc, c'est juste l'idée, c'est pas nécessairement un indicateur qui vous permettrait de savoir à quoi vous avez, si jamais vous achetez l'entreprise, de négocier avec la famille Roche. Ouais. Donc, moi, je pourrais peut-être juste ajouter. Donc, bien sûr, l'entreprise a été évaluée un peu plus bas que l'achat, mais bien sûr, on voit qu'avec la valeur actuelle, on peut juste ajouter. Donc, bien sûr, l'entreprise a été évaluée en bourse un peu plus bas que l'achat, mais bien sûr, on voit qu'avec la valeur actuelle, on peut acheter l'entreprise, mais on se rend compte qu'on fait un profit. Bien, on évalue financièrement, mais on va faire la valeur actuelle, et juste. Ce qu'on avait besoin au niveau de la fusée. Bien, on a vu que c'est quand même une bonne chose. Bien sûr, c'est une intelligence artificielle. C'est sûr, ça nous aide. On a fait une économie de ressources, donc c'est ce qu'on avait besoin au niveau de la fusée. Avez-vous des questions, la terre, des engrais? Donc, bien sûr, c'est une intelligence artificielle. Donc, c'est sûr, ça nous aide. On a fait une économie de ressources, donc c'est ce qu'on avait besoin. Avez-vous des questions? Ouais, je sais qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée, là, malheureusement, le PAIA. Donc, en fait, on a pris quelques tests sur les états financiers, donc tous les actifs. Pour rembourser ça quand tu veux, il y a des limites,
Y avait-il un moyen pour lui de ne pas le rembourser? Il pourrait déduire de la prévente de son emploi. Puis le financement à 8%, ouais. Vous l'avez. On l'a annexe. On l'a annexe, c'est bon. Le 8%, vous l'avez basé sur le marché. On l'a annexe. On l'a annexe, c'est bon. C'est le taux qui avait été inscrit, donc. Le tracteur avec l'intelligence artificielle, ainsi que les 4 tracteurs assistés. Le taux qui avait été inscrit, donc. En effet, ça c'est sûr.